50 ans et un jour après le déclenchement de la guerre israélo-arabe de 1973, le Hamas a lancé samedi 7 octobre 2023 à l'aube une attaque surprise contre Israël. Des Palestiniens armés sont entrés dans au moins 3 sites militaires proches de la bande de Gaza, Erez, Zitzim et Harem. Le bilan de cette première journée de guerre était d'au moins 600 morts côté israélien et de 2000 blessés. Côté palestinien, le Hamas a annoncé plus de 310 Palestiniens tués et près de 2000 blessés. Plus d'une centaine de civils et militaires israéliens ont été capturés par le Hamas.